Donc on est là pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on réclamait de l'effectif. Il nous manquait trois agents. L'administration pénitentiaire, nous l'a accepté. On va donc les avoir. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La deuxième raison, c'est le management par la peur et les sanctions et les punitions, les menaces qu'on subit depuis trop longtemps. Ça a repris depuis quelques semaines, depuis qu'on a demandé justement qu'on nous rende les agents qui nous manquent, et les retraités en tout cas. Donc le directeur interrégional nous menace clairement. Aujourd'hui, on est sur le parking parce que si on se met devant l'établissement, on perdra un jour de salaire. Ça fait partie des menaces de notre directeur interrégional. On le regrette parce qu'on s'entendait quand même relativement bien avec la direction locale. On comprend pas la réaction du directeur régional et ce management par la peur. On est des bons professionnels, même si lui sous-entend le contraire. Et on espère aujourd'hui que le dialogue renaîtra avec, en tout cas avec la direction locale et peut-être avec la direction interrégionale.